Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Super contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai plusieurs choses à vous montrer, dont un petit retour de course, mais il y a plein de choses que j'ai déjà rangées, mais c'est pas grave, il y a d'autres choses que j'ai pas pu ranger, donc je vais vous les montrer là tout de suite, de chez Auchan. J'ai du Action, du pylône, donc de la vaisselle, etc. Et après, des petites choses collection pour moi que je ferai en dernier pour qui ça intéresse. Non, après, les autres personnes pourront zapper. Ah oui, aujourd'hui, on est quelle date? On est le combien? C'est les vacances scolaires, bien évidemment. Je suis claquée, il est tard le soir. Il est 22h et quelques. Et je suis claquée. Ouais, je suis naze. Aujourd'hui, ça a été une journée mouvementée. Plus en même temps, comment dirais-je, on a bougé. Oui, j'ai emmené mes enfants dans une fête foraine. Donc, quand je vous dis je suis naze. Je suis chaos, oui, exactement. Bref, et je me suis pris... D'ailleurs, on est le combien aujourd'hui, Lina? Le combien? 23. Oui, 23 février. Ah, j'avais envie d'une plante comme ça. Je la trouve trop belle. Alors, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle a, Mskena? Pourquoi elle pousse comme ça? Eh bien, c'est une plante qui pousse comme ça. En fait, qui se referme un peu sur elle-même. Bref, j'ai kiffé. Je me suis prise une comme ça et une autre pour ma table de la... Non, le bruit. Le bruit, chérie. C'est ma fille qui fait ce bruit-là, les amis. Une de la salle à manger aussi, vous savez, la table basse, dans un pot en verre un peu écru. Franchement, c'est très, très joli. Donc, voilà. Donc, le retour de cours, ça va aller très, très vite. Franchement, ça va aller très, très vite. Donc, hop, hein, du sel comme ça. J'ai pris deux comme ça. D'ailleurs, il m'en manquait. Vous en avez mangé, les loulous? Ok, 12 mini beignets, donc c'est des assortis, hein, assortiment pommes, choco-noisette et nature, comme ça. Donc ça, c'est cool, les gosses, ils aiment beaucoup ça. J'ai pris 3 comme ça, les coca-vanille, alors que moi, je ne suis pas du tout coca-mixée, mais alors celui-là, franchement, eh ben j'aime bien, et ça me surprend d'ailleurs. J'ai pris des... comme ça, j'en ai pris 2. C'est pour ma veilleuse en haut, en fait, dans ma chambre. Voilà, tout simplement, une Philips, j'ai pris un papier, c'est ça, papier cuisson, on connaît tous ce que c'est. Après, film fraîcheur comme ça, pour les aliments de la marque Albal, l'autre aussi c'était ça. Je prends au hasard, hein. J'ai acheté des jus, etc., etc., mais j'ai rangé, pour être franche, franchement, j'ai rangé, voilà. D'habitude, je range pas, je vous montre, puis des fois, je vous montre pas, ça dépend. Regardez ce que j'ai trouvé. J'avais envie de cornichons, même pour les salades de riz, etc. Et j'ai trouvé un verre comme ça, Aladdin. Donc là, on a Jasmine, comme ça. Et là, on a Mister Aladdin, tout simplement. Et là, il y a marqué Disney Aladdin. Hein. On va faire un joli petit verre après. J'ai pris cappuccino. Donc moi, j'ai Dolce Gusto, j'ai déjà les capsules. J'ai du mal à parler, là, je dis n'importe quoi depuis tout à l'heure. J'articule très très mal parce que je suis chaos, mais ça me fait vraiment trop du bien de vous filmer, même si je suis naze, même si j'ai les cheveux pompés là, moi je m'en fiche, hein. J'ai envie de vous dire, vous me connaissez, j'ai rien à prouver. Alors, je vous disais les amis, qu'avec la Dolce Gusto, j'ai déjà les capsules, sauf que parfois, dont ces derniers jours, je me suis dit, tiens, j'en avais acheté un comme ça, cappuccino mocha, ou je sais plus c'était quoi. Un cappuccino chocolat, on va dire ça comme ça. Et là, j'ai pris ça, cappuccino vanille. Ouais, une petite crise m'est passée comme ça, oups là, m'a traversé le cerveau. Aluminium, donc on va pas dormir hein, sur ça. J'ai pris sauce vinaigrette, vous savez, comme ça, sauce César et sauce crudité comme ça, de la marque Auchan, les amis. Et oui, d'ailleurs, les amis, n'hésitez surtout pas à vous abonner, liker, partager. Ça fait toujours plaisir. Activez la cloche de notification pour qu'on puisse se revoir. J'ai pris ça. Je me suis dit, ça va changer. Je ne les connais pas, celle-ci. Bon, on connaît le panzani, hein. Mais celle-ci, c'est les pâtes fraîches. Donc, je vais voir ce que ça va donner. Je vais voir si mes enfants aiment. Comme ça, ben, j'en prendrai davantage si je vois que mes enfants aiment celle-ci, tout simplement. 100 grammes est égal une personne. Il y a combien dedans? 500 grammes, hein, normalement. Non, c'est un 400 grammes. Et c'est des pâtes qui s'appellent collerette. J'ai pris ça pour faire des recettes gâteaux. Hop là. Hop là. Donc, la vanille des îles Bourbon de la marque Spiegel. J'en ai pris 2. Parce que je sais à peu près ce que j'ai envie de faire. Là, j'ai pris ça. Ça sent magnifiquement bon. Donc, il y en a une qui va aller dans ma chambre, il y en a une qui va rester ici. Botanica, inspiré par la nature. Donc, c'est Airwick sur le côté. Parfum exceptionnel jusqu'à 40 heures d'utilisation, en gros.
pot en verre et couvercle recyclable, ok. Donc là, il est marqué vétiver des Caraïbes et bois de santal. Je vous assure qu'il y a une de ces senteurs. Elle est magnifique. Qu'est-ce que ça sent bon. Mais qu'est-ce que ça sent bon, donc. Et une autre avec, vous savez, les bâtons, là. Retirer le bouchon du flacon de parfum, etc. Nanana. Après, ça, hop là, ça se met dans toute la pièce, entre guillemets. Hein, bâtonnet parfumé, tout simplement. Et maintenant, je vais finir avec ça. J'en avais envie, c'est la marque Cambly. Et il y a plusieurs assortiments, en fait. Hein. Vous voyez, comme ça, là, ici. Et après, je les ai pris à l'unité. Pas tous, hein, mais en gros, celui-ci. Toujours la marque Cambly. Cambly, décidément, je suis crevée, ça se voit. Donc là, là c'est fine crêpe, comme ceci. Hop là. Et là, c'est des touristes de coco. Ça peut être super sympa. Voilà pour Auchan. Hein. Donc là, pour l'instant, ouais. C'était ça que j'ai pris. Que je me suis... Pourtant, le caddie, il était blindax, mais ça va à cause de l'eau, du jus, etc., etc. Bref, next. Je vais vous montrer ce que j'ai pris maintenant chez Action. Donc, à tout de suite. Alors, on continue. Donc là, c'est ma fille qui a voulu ce cintre-là parce qu'ils vont cette matière-ci, en fait, c'est du bois comme ça, blanc, ça va avec sa chambre. Elle s'en est pris 3, donc des cintres comme ça, tout simplement. C'est un lot de combien d'ailleurs? 6 pièces. J'ai pris des Huggies comme ça pour mon bébé. Donc là, ceux-là, les verts, ça me dit rien. Aloe vera. Donc comme ça, j'en ai pris, je crois, 3 ou peut-être plus. Là, pour l'instant, il y en a 3. Après, si vous entendez mon bébé, je suis désolée. Hein. Là, j'ai pris ça, un Saint-Marc comme ça, décrasse, dégraisse, fait briller et désodorise. C'est 1 litre et quelques. C'est un 4 en 1. Donc, moi, j'aime bien la marque Saint-Marc à l'ancienne et tout. J'ai pris quoi donc du Milka comme ça pour mon bébé, justement, que vous entendez là. Il y en a 8. Il y en a 8. Et non, vous calmez là par contre. Quoi donc, les amis? Ça, pansement, des piles comme ça, parce qu'à la maison, les piles qu'on prenne Energizer ou autre, elles partent en 2 secondes chrono. Donc, j'ai pris les Panasonic comme ça, les piles normales, là. 2 paquets. Les mini comme ça, il en reste à la maison d'un justement Energizer. Donc là, j'ai pris 1 paquet, ça suffit. J'ai pris ça. Je me suis dit, ça peut être sympa pour le textile. Donc, je sais pas. Bouquet mystère désodorisant textile, je sais pas, j'ai trouvé ça sympa, j'en ai pris 2, j'avais envie, voilà, tout simplement. Un comme ça et un comme ça, mon mari avait bien aimé, donc j'en ai repris. Donc là, c'est chocolat au lait, chips comme ça enrobé de chocolat. Et celle-ci, c'est lait, caramel et sel de mer. Après, j'ai pris ça. Alors, j'ai un côté de mon plan de travail où il y a le... Comment dirais-je? L'égouttoir noir, parce que ma cuisine est blanche et noire, hein, toute simple. Et de l'autre côté, je vais mettre ça. Je trouve ça plutôt sympa. J'aime bien. C'est un... D'ailleurs, comment ils appellent ça? Vous savez, vous mettez un microfibre 40 x 48 cm. Et dedans, ouais, tapis égouttoir. Donc, regardez, c'est ça. Hein, ça donne ça ici, là, la petite image que vous voyez. Ensuite... Et ben ensuite, j'avais pris 3 en fin de compte, des piles comme ça. Nous avons quoi d'autre? Je crois comme ça, les éponges magiques chez nous, c'est fureur, ça part en 2 secondes chrono, c'est dingue. Donc j'ai pris 3 paquets comme ça. Les éponges magiques, je vous dis même pas à quel point c'est une tuerie. Et après, j'ai pris comme ça, les éponges magiques par 2 cette fois-ci, parce que les autres c'est par 4. Donc là, c'est les Monsieur Propre. J'en ai pris 4 des comme ça. Et celles-ci, elles sont bien sûres. Au niveau qualité, mieux que les autres, c'est vrai. Mais moi, je prends les 2. Parce... Exactement des pansements, mais avec des petits. Exactement, il y en a 30. Et c'est des pansements, en fait, avec des petits dessins, quoi. Pansements kids. Et oui, des comme ça, j'en ai pris 3. Alors, j'ai pris ceux-là parce qu'ils sont pas mal. Donc, je me suis dit, on va en reprendre. Tout simplement, vu que j'étais à Action. Moi, je sais que j'avais bien aimé quand je les ai tentés la première fois parce que je connaissais pas ceux-là. Mais franchement, j'ai repris du liquide vaisselle, hein, tout simplement. On va pas. J'en ai pris 2. Ça, je m'en souviens, j'en ai pris 2. C'est du Rizis, mais. Comment on dit ça? Attends, mon cœur. Oui, chocolat blanc. C'est ça que je voulais. Regarde, Lina. Chocolat blanc. Pas vu? Je me suis dit, goûtez, après on verra. Deux comme ça, c'est la marque Chio. Et c'est du paprika. Toblerone, normalement. Normalement, j'ai vérifié ça. Après, on les vide au fur et à mesure, là, le sac. 2.
Ma fille s'est pris. Hop là, Red Gloss. Donc, brillant à lèvres 7 jours. Un par jour, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aujourd'hui. Mais ils sont plutôt sympas. Oui. Alors, ça. Alors, attendez. Hein. Hop. J'ai pris des popcorns comme ça. J'en avais jamais pris. Doucement, chérie, s'il te plaît. Merci, mon cœur. Doucement, mon cœur, s'il te plaît. Donc, je vais vous raconter l'anecdote. Hein. Moi, quand j'ai été les chercher, on en a fait. Et quand on en a fait, c'était ceux-là, les popcorns au sucre. Alors, comment dire, mes enfants ont aimé. Moi, je ne suis pas popcorn, donc je m'en fiche un peu. Mais mes enfants ont aimé, mais sauf le hic, je préfère vraiment ceux qu'on achète, qui sont déjà faits dans le paquet, ou alors ceux qu'on va faire, on achète le maïs soufflé, oui, mon amour. Et on le met direct à mettre dans la poêle et ça va exploser tout seul. Et après, on en fait ce qu'on veut, quoi. Parce que ceux-là... Comment je vais dire ça? Par exemple, dans un sachet qu'on étale comme ça au micro-ondes, ça doit être de derrière, ils nous disent, hein, 1 à 4 minutes. Et après, hop, on le sort et on ouvre. Sauf que c'est pas vrai, c'est pas 4 minutes, il faut au moins 6 minutes. Et même 6 minutes, il reste quand même des comment dirais-je, du maïs en gros, qui ne, hop là, qui sont pas éclatés, quoi. Et ça, c'est mal fait. Mes enfants aiment beaucoup ça. Mes enfants, ça les amuse. Donc, tant mieux. Un autre. Oui, voilà, c'est les doublons. Voilà, exactement. Nana, chérie, non. Nana, j'ai pris quoi? Tiens, mon cœur, tiens, tiens. Il y a maman, wow, mon bébé. C'est des mamans. C'est des mamans. Oh là là. Je crois après, tout à l'heure, on va les donner ça. Oui. Oh là là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais, maman? Attends, mon cœur. J'ai pris ça, les amis, parce qu'en fait, je me suis dit, tiens, pour être très franche, ça fait un bon temps que j'ai pas fait du cousage. Façon de parler, je sais que ça veut rien dire. Mais du coup, ouais, c'est ça, c'est marqué dessus, accessoire de couture. Mais je me suis dit que ça pouvait servir, on sait jamais. Alors jusqu'aujourd'hui, j'en ai pas eu besoin parce que c'est un truc de craque-out. Moi, je jette, je vais pas mentir. Soit je donne parce que c'est nickel et tout, moi je suis quelqu'un qui aime donner. Ou soit quand je vois que c'est craque ou quoi que ce soit, bah voilà, quand on va en acheter un autre. Mais je me suis dit, on sait jamais si c'est un jour, je sais pas, vu le prix en plus, c'est toujours qu'il est à 2 et quelques. Je me suis dit, on sait jamais si c'est un truc qu'on kiffe vraiment et si je peux le. Hop là! Pourquoi pas? Donc je me suis dit, tiens, ça peut toujours servir ça à la baraque. Voilà l'anecdote, encore une fois, nul de chez nul. Ça. Les œufs comme ça par deux, les LOL. J'ai pris ça pour ma pince, pour ma princesse, que je dis pas de bêtises, Inès. Parce que des fois, ça lui arrive, la peau, ça va, mais elle a eu les lèvres gercées ici. J'ai été en pharmacie lui chercher la crème Avène. Et du coup, ben, comme ça a légèrement dépassé, je me suis dit, tiens, je vais lui prendre une crème comme ça. Soit ça, soit Nivea, mais au final, j'ai opté pour Dove. Comme ça, ça en met, vous savez, dans tout le visage et ça va lui faire du bien, quoi. Ça pourra que l'hydrater et... Voilà, tout simplement. J'ai pris Antiquel. Antiquel, c'est quoi, là? Action vinaigre. Qu'est-ce? Ça, je garde pas, moi. Vous savez, des trucs comme ça, là, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, ça m'énerve, ce genre de truc. Donc, Action vinaigre, tout simplement, anti-calcaire. Hop, j'ai pris ça. Je sais pas si je l'ai déjà pris, ça, ou pas. Parce que je sais que je prends des anti-calcaires, mais je pense pas avoir déjà pris anti-cal. En tout cas, dites-moi si vous l'avez pris, s'il est bien ou pas. Moi, en tout cas, je vais voir, parce que là, ça me dit rien du tout comme ça de tête. J'ai pris une petite bouteille comme ça. Célébration, 312 grammes. Franchement, c'est plutôt sympa. Encore une fois, consomme avec modération. Et là, je finis avec les dindes. Parce que les dindes, c'est bon aussi. Mais moi, j'achète parce que j'ai eu un message. Exactement, j'ai eu un petit message d'une personne qui me disait, d'ailleurs, je te fais un gros bisou, je passe par là, qui me disait comment tu fais pour gérer, en gros, quelque chose comme ça, parce que je veux pas dire de bêtises. Et en gros, ben, je disais comme quoi, ben, je vais pas me priver parce que, en gros, moi, je suis quelqu'un qui achète de tout. Mais après, il faut faire en sorte de surveiller. En fait, j'ai pas envie de me priver, de me dire, oh, j'achète pas de, je vous dis n'importe quoi, oh, j'achète pas de yaourt, oh, j'achète pas de chocolat, oh, j'achète pas de céréales, j'invente, pour, entre guillemets, faire en sorte que mes enfants prennent pas de quoi, ou nous-mêmes, les adultes. Non, on achète, mais c'est à nous de faire hâte. Alors, la vie n'est pas parfaite, hein, on est d'accord. Non, non, la vie n'est pas parfaite, on est d'accord. Mais c'est vrai qu'on gère au mieux. On mange pas tous les jours ces choses-là, Dieu merci. C'est vraiment par envie. Moi, mes enfants, si on les écoute, bien sûr, c'est comme tous les enfants de la Terre, ils en mangeraient 24, 7 sur 7. Mais non, ce n'est pas le cas. Je vous ai dit, c'est en hauteur, etc. Donc non, ça va. Franchement, Dieu merci, j'arrive plutôt bien à gérer. Oui, vraiment. Comparé où, avec, entre guillemets, où j'habitais avant, elles avaient un peu plus accès. Donc là, il fallait un peu plus de surveillance que là. Non, franchement, alhamdoulilah. Franchement, c'est... Voilà, il faut vraiment tout acheter. Parce que quand on n'achète pas, par exemple, on se dit, oh non, j'évite le chocolat. Hein, j'invente, hein. J'évite le chocolat.
Eh ben, le jour où on va en acheter, même si c'est une fois dans l'année, on va tout faire péter. Brrr, qu'on va grossir tout autant, j'ai envie de dire. Donc, vaut mieux en avoir tout le temps et de se dire, j'en prends un petit peu une fois par-ci, une fois par-là, que de se dire, je... Bref, en tout cas, ça reste mon avis, hein, bien évidemment, pas du genre sur la chaîne, je me permets pas. Chacun fait comme il veut, mais moi, en tout cas, c'est ce que je ressens, c'est ce que je pense. Donc, voilà, comme ça, vous avez mon petite façon de penser sur ce sujet-là, les amis. Maintenant, je vais chercher un autre sac et je reviens. Je vous montre le sac pylône parce que je vais vous montrer des choses de vaisselle que j'ai pris en gros dans ce magasin-là, Aéroville. Donc là, on passe du Coq-à-l'âne, on passe d'Action à Aéroville. Et je vais vous montrer aussi deux petites choses de Pandora juste après. Et ce ne sera pas fini, j'aurai encore d'autres choses à vous montrer. Mais après, vous pourrez zapper si vraiment vous n'aimez pas, si ce n'est pas votre délire, etc. Ce que je comprends tout à fait, parce que dans la vie, on a chacun nos envies, chacun nos délires, chacun nos chiffres, nos passions, etc. Alors les amis, ce que j'ai pris à Pylône. D'abord, je vais vous montrer très rapidement ce que j'ai pris pour ma fille. Ma fille, elle a voulu ça pour son téléphone portable. Une de mes filles du moins. Ma chérie, regarde ta soeur, s'il te plaît. Donne-lui un petit truc à boire, chérie, s'il te plaît. Ça, pour tenir son téléphone. Elle a pris ça aussi, vous savez, c'est... hop, on ouvre ça et puis elle le met à la forme de... Voilà, pour poser son téléphone, vous avez saisi. Hein. Donc ça, c'est ma princesse. Ma princesse a voulu ça, ça. Donc c'est un... Comment on dit ça? Un porte-monnaie. Voilà, tout simplement, un porte-monnaie comme ça. Oh, il est mignon, avec des petits chats à l'intérieur. Je retire ça parce que ça, c'est pas bon. Comme ça. C'est des petits chats comme ça à l'intérieur. Hop, devant un chat. Et derrière, les petites papates. Alors, je vais vous expliquer. Chez nous, on est dingue de ces choses-là. Franchement, nous, la vaisselle... Alors, il y a la vaisselle normale qu'on aime bien. Après, on a la vaisselle Disney. Après, on a la vaisselle de pylône qui a un autre style. J'ai envie de dire, il y a de quoi faire. Grâce à Dieu, alhamdoulilah. Machallah, je me comprends. Merci Allah, merci mon mari. Ça, c'est ma princesse qui se l'est pris, qui m'a demandé. Donc ça, c'est une bouteille. Une bouteille qu'on peut transporter dehors ou alors boire à la maison. Voilà, si on n'a pas envie de se servir toutes les 30 secondes de l'eau ou quoi que ce soit. Franchement, super, méga, giga, pratique. Et ça, c'est dans les 30 balles, si je ne dis pas de bêtises, je vous jure que c'est vrai. Et oui, 29 et quelques, je prends quelque chose comme ça. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. C'est ma princesse Ania qui l'a voulu. Elle est jolie, elle est comme ça. Trop mimi. Moi, maintenant... J'ai pris celle-ci parce que j'en ai plusieurs à la maison. Et j'aime bien avoir de toutes sortes de couleurs, de toutes sortes de gaieté plus ou moins naturelles, etc. Donc moi, j'ai pris celle-ci. Ça fait comme de la peinture en fait, mais le bleu comme ça qui me rappelle le ciel et tout. Trop joli, toujours le même système, hein, vous avez saisi, hop là là. C'est bien parce que c'est soit ça va bien garder le chaud pour les personnes qui veulent boire du chaud. Moi, bah, c'est pas trop mon délire. Ou alors, soit c'est du froid et franchement, ça garde bien, hein, c'est isotherme. Donc ça, c'est génial. Génial. La troisième, c'est pour ma maman en cadeau. Elle ne sait pas, je vous la montre, mais après je vais lui passer parce que je l'ai pris pour elle. Parce que je sais qu'elle aime ça aussi, donc j'ai pris pour ma maman. C'est un petit cadeau parce que ça va être son anniversaire et je vais voir après aussi ce que je vais lui prendre, hormis ce que je vous montre tout de suite. Regardez-moi ça. Pour ma maman, j'ai pris une comme ça. Regardez le bouchon, comment il est beau. Hop là. Donc je vais le remettre à l'intérieur et tout à l'heure je le passerai à ma mère. Je sais qu'elle aime bien ça et quand c'est nos parents, on kiffe tellement à faire plaisir que. Ouais, ça sert aussi à côté du lit et tout. Là, pareil, j'ai prise pour ma maman. J'en ai une déjà. Je l'ai déjà celle-là à la maison. Donc hop, regardez, je vais vous la montrer. Elle est comme ça. C'est une tasse comme ceci. Des orchidées, je crois qu'on appelle ça. Donc hop. Et comme les femmes, ça aiment les fleurs en termes général, bah, franchement. Rien à dire. Donc deux choses là pour ma maman. Mais je vais voir après, j'ai une petite idée. Mais je verrai ce que je lui prendrai. Parce que ma fille là, son anniversaire, c'est le 25 février. Et elle va le fêter avec ses copines. Donc le 25, c'est après-demain. Donc Inch'Allah, vendredi. Après, tout dépend quand est-ce que je vous fie, quoi, je vous posterai cette vidéo. Et ma maman, c'est le lendemain le 26. Donc non, non. Alors là, j'ai pris des choses. Mais d'une autre forme. Et que je kiffe, vous n'avez même pas idée à quel point je kiffe ça. Le chat miaule alors qu'il a mangé, qu'il a tout eu, etc. Oui, 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 exact. Bref, ça, ce que je vais vous montrer tout de suite, ce sont des verres. Des verres, mais vous en faites ce que vous voulez. Réellement, vous pouvez faire un capuch, hein, vous buvez de l'eau, faites ce que vous voulez réellement. Mais bon, moi, ce sera plus pour le matin ou alors quoi que, si j'ai envie de boire un jus ou je sais pas, on verra de toute façon, on en fait ce qu'on veut. Ceux-là, je les ai en tasse. Mais regardez ce qu'ils donnent en verre. Ouais. Comment c'est trop beau. Dedans, c'est blanc. Hein. Mais là, ce verre-là, il était à 8 balles. 7 euros quelque chose.
J'en ai pris 4. Voilà, tout simplement. Je sais que je suis ressortie du magasin pour 150 balles, un truc comme ça. C'est parti. Là, le deuxième, comme ça. Et je les ai, je vous ai dit, comme la tasse que je vous ai montrée, comme ça, là, il y a 2 secondes, pour ma mère. Donc, hop. J'ai pris en comme ça, grâce à Dieu, alhamdoulilah. Et celle-là. Voilà, pour finir. C'est... Moi, j'aime tellement, je peux même pas vous dire à quel point j'en suis dingue, 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 dingue. Voilà les amis, on a fini pour ça. Maintenant, je vous montre ce que je me suis pris chez Pandora, parce que quand je vais chez Pylone, je vais chez Pandora, quand je vais chez Pandora, je vais chez Pylone, je vais... Hop là! Alors, je me suis pris quoi? Ça allait fermer, parce que je voulais d'autres choses, mais ça allait fermer. Bon, c'était bien déjà pour ce jour-là, parce que j'ai pris avec tout ce que j'ai pris là, c'était très bien, c'était très bien. Donc, du coup, je me suis pris... J'ai 2 bracelets. Hein. 2 bracelets qui, le deuxième, va être Blindax dans pas longtemps. Donc, vous voyez, Pandora. Sauf que Pandora, j'en ai pour 108 euros. Donc là, comment vous montrer ça? J'ai pris, comment vous dire, Miss Tinguette réponse. Mais alors, pour vous montrer ça, je vous jure qu'avec mes gros doigts, ça va pas être facile. Hop là. Après... Hop là! Je ne sais pas si vous aurez bien vu, mais franchement, c'est très, 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 très joli. Et je suis contente de les rajouter à ma, dirais-je, comment dirais-je? À ma, dirais-je, bien sûr, à mon bracelet, mon deuxième, du moins, bracelet, parce que le premier, skin, elle a explosé. Donc voilà, je continue maintenant avec les 2 autres sacs. Ça va être des choses collection, mais des choses que je kiffe énormément. Et pour les personnes, en tout cas, qui ne sont pas intéressées par ça, je vous dis merci déjà d'être arrivées jusque cette, entre guillemets, jusque ce time de la vidéo. Je vous dis bye bye, gros bisous, à plus tard, inchallah. Et moi, là, je vais vous montrer, pour les personnes que ça intéresse, que je me suis pris pour moi, pour mes kiffs personnels au niveau collection. Ce que j'ai trouvé dans le magasin à Aéroville, c'est un magasin collection, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est le magasin City Manga à Aéroville. 164,90€, histoire de me faire zizir un petit peu, grâce à Dieu. Machallah. Les amis, j'ai défait ce qu'il y avait dans le sac. Donc, je vous montre. Donc, dans ce magasin, voilà, que je vous ai dit, ça s'appelle City Manga. Je répète, Aéroville pour les intéressés. J'ai pris 27,90€. C'est un mug, mais un mug magique. Mug baguette Harry Potter au mélange magique. Plongez-vous dans le monde d'Harry Potter avec ce mug, pardon, là, officiel qui se mélange d'elle-même. Donc, on a la baguette qui est ici. Une baguette comme ceci, en plastique. Voilà, voilà. On a les petites piles comme cela. Et on a notre mug. Et là, qu'est-ce que je dois faire? Ah, je sais pas faire. Je sais qu'il faut mettre des piles, mais alors où? Bon, bon, on verra ça après. Hein. Ça donne ça, les amis. Voilà le mug qui va se mélanger tout seul. Il faudra appuyer ici, ça va touiller tout seul. Franchement, super bien. Je vais tester, je vais voir. En tout cas, je suis super contente. Moi, ces délires-là sont tout à fait mes délires, hein, je vous le dis. Après, j'ai pris 3 comme ça. C'est des boosters, en fait. Il y en a 7 à collectionner, mais comme il n'y avait pas tout ce que j'aimais au niveau personnage, je viens de dire un truc qui n'est encore pas français. Du coup, j'en ai pris 3. On verra lesquels que j'aurai. 1, 2... 3, ça vaut 8 balles ce truc, hein. Je vous explique, oui, oui, vous ne rêvez pas, c'est abusé, je suis d'accord avec vous. Mais bon, quand on aime, hein, de temps en temps, alhamdoulilah, grâce à Dieu, on essaye de se faire zizir. Je vais vous montrer, ah oui, là j'aime trop, ah je suis dingue de ça. Alors, je vous explique, c'est Kirby, ça vaut 17 balles l'unité, j'en ai pris 2. Et en gros, je vais les ouvrir. Hein. Moi, toute seule, je vais les ouvrir. Ça ira dans ma salle en bas, Inch'Allah, etc. Que je dois bien après décorer, faire les choses, etc. Inch'Allah, je me comprends. 6. S'il y en a 6 à collectionner, vous voyez, c'est ça. Vous voyez les petites cloches, là, comme ça. C'est soit des ronds, soit des cloches. Et là. Et j'ai été, comment dirais-je, j'ai été gâtée parce que j'ai eu des vendeurs avec qui je m'entends super bien, grâce à Dieu. Et du coup, on regardait à l'intérieur parce que j'ai dit, ouais, voilà, je veux vous en prendre tant, mais par contre, il ne faut pas que ce soit des doubles, je ne veux pas. Donc, voilà. Et ils ont regardé, ils m'ont dit, non, ce n'est pas des doubles. Franchement, ils ont été des vrais cœurs. Donc, voilà, le deuxième, peu importe, ça y est, c'est fait. Après, pareil, ils ont fait la même chose pour ça. Ce n'est pas des doubles, mais je ne sais pas c'est lesquels. Attention, je ne sais pas. Ils m'ont juste dit, parce que moi, je suis partie, je me cachais.
Ils m'ont dit, non madame, c'est pas des doubles. Après, je venais, mais je sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur, parce qu'il y en a plusieurs. Donc j'ai pris des comme ça, ceux-là, je sais pas combien ils sont, par contre, je sais plus, bref, peu importe. De toute façon, je vous avais dit le prix. Donc voilà, c'est comme ça, le paquet est comme ça. Et c'est des troncs qu'on pourra rassembler, des troncs d'arbres qu'on pourra rassembler. Et derrière, les décors sont comme ceci. Voilà ce qu'on pourra avoir. Et là, c'est Pikachu. Ce n'est plus Kirby que, comme je viens de vous montrer. C'est Pikachu. Et oui, j'en ai pris trois. Inch'Allah, je vais kiffer. Voilà. Ensuite, les amis. Oui, mon bébé, oui. Ceux-là, c'est un autre délire aussi. Je sais que c'était pas gratos. Mais encore une fois, 21,90. Mais je ne sais encore une fois strictement pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, voilà, tout simplement, il y a ma maman avec moi. Oui, oui, on regarde un film qui s'appelle... La série qui s'appelle Permis de vivre. Elle est trop bien. Oh là là, elle est géniale. Oh là là, je la conseille. Hein. Franchement, elle est au top du top. Hein. On va voir ces figurines qu'il y a comme ça, ici, devant. Et celles-ci qui sont ici. Et il y en a 6 à collectionner. Sauf que moi, elles ne me plaisent pas toutes, toutes, toutes. Donc pour l'instant, j'en ai pris 2. Pour finir, j'ai pris ça à ma fille. Parce qu'elle aussi m'a fait un cadeau qui m'a énormément touchée et que je n'étais pas au courant. Elle m'a dit, maman, 2 secondes, je reviens. Je vous jure qu'elle m'a offert 2 pins sans que je le sache, Harry Potter. Elle m'a dit, maman, t'aimes bien Harry Potter? J'ai dit, bah oui, ma chérie. Et donc voilà, et au final, avec son petit argent de poche, et ben, elle m'a acheté 2 pins. Parce qu'en fait, elle m'a regardé un truc là-bas, au fait, parce que regarde, ça va te plaire, nanana, je sais plus comment elle m'a dit ça. Et puis au final, elle m'a bien eu, voilà, exactement. Donc elle m'a acheté 2 beaux pins Harry Potter. C'est un, c'était comment, Edwige, et l'autre, c'était le Vif d'or. Magnifique. Franchement, j'ai kiffé. Par contre, quand je suis arrivée, hein, parce que moi, je suis passée avant elle pour payer... Vu qu'elle est passée derrière, qu'elle m'a dit retourne maman là-bas, il y a un truc qui va te plaire. Et ben je lui ai pris ça moi par contre. Je lui ai dit regarde ma fille t'aimes bien et tout. Si tu veux prends-toi un bol et tout. Regarde il y a un beau bol Harry Potter. Et de là ben elle a pris celui-là. Voilà. Elle a kiffé pour le matin. Super joli. Voilà. Donc ça c'est pour ma princesse. Et voilà. Par contre le dernier sac. Alors moi je vais vous dire ce que c'est très rapide. Ah le dernier sac c'est du rapide de chez rapide. On pourra pas faire plus rapide. Pourquoi? Parce que je suis retournée chez... C'était qui ma fille pour que j'achète mes trucs de collection? Mes cartes Pokémon. Alors, j'ai eu de la chance, c'était le dernier. J'ai eu le coffret dresseur d'élite. Donc, point de fusion. Je n'avais pas celui-ci. Donc, ça tombe très, 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 très bien. J'étais super contente. Voilà. Et après, j'ai eu des boosters comme ça. J'en ai pris plusieurs. Des comme ça. J'en ai plusieurs, hein, une dizaine facile. Donc, je suis super contente. Ouais, c'est ça, point de fusion. Et oui, on a plusieurs. Par contre, les prix ont augmenté. Hein. C'est 7 euros et quelque chose. 7 quelque chose ou 6 quelque chose. Peu importe. J'ai pris ça pour ma princesse Anya. Qui est avec moi. Regarde, chérie. T'as oublié ta bouboule? Oui, poupée LOL, comme ça. Elle l'a pas, celle-ci, de cette collection-là. Donc, je lui ai pris. Et on va voir ce que c'est. Et après, on verra par la suite. Voilà, les amis. Moi, en tout cas... Je suis contente de vous avoir fait, entre guillemets, partager tout ça. Je vous fais de très, très gros bisous, les amis. Je vous dis à plus tard, Inch'Allah. Gros, 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 gros bisous. Mouah. Salut tout le monde, ciao.